Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Christelle Douce, je viens vers vous pour vous parler de cette nouvelle rencontre unie pour la naissance de la nouvelle humanité. Ce n'est pas juste un petit mot, ce n'est pas juste quelque chose qui nous permet de dire oh, c'est beau, ça vibre. C'est vraiment la naissance du nouveau et de ce nouveau monde qui demande à vraiment s'expanser. On essaye toujours de se retenir à l'ancien et en réalité, il est important de faire ce qu'on appelle plusieurs fois dans notre vie des sauts quantiques, de laisser aller l'ancien pour faire place au nouveau. Alors bien sûr que tout le monde ne va pas pouvoir venir, mais dans le cœur être avec nous. C'est vraiment important de comprendre que c'est en présentiel qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se vivre. Mais que si vraiment votre cœur sent qu'il a envie de venir et qu'il n'y arrive pas, qu'il ne peut pas sur plein de plans matériels, être maman au foyer, où est-ce que je laisse les enfants, être au travail à ces jours-là et ne pas pouvoir prendre de vacances, eh bien, sachez que lorsque vous faites un don, eh bien, l'énergie circule, puisque l'argent est une énergie et tout circule toujours dans la meilleure manière que ce soit. La création, c'est quoi? C'est ce flux d'énergie qui va toujours circuler et lorsqu'on donne, eh bien, on reçoit. Et c'est comme ce 8 à l'infini en permanence qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'échanger, de donner et de recevoir. Alors, vous n'êtes pas disponible pour la rencontre, mais vous avez à cœur de participer pour cette nouvelle humanité, eh bien, vous pouvez faire des dons pour la mise en place du lieu pour recevoir les grands-mères et tous les participants. Donc, dans le lien qu'il va y avoir en dessous, il y a un encadré pour s'inscrire pour la rencontre. Il y a un autre encadré pour faire des dons à la quantité de 10 euros avec, vous mettez la quantité, une fois 10 euros, deux fois 10 euros, et ça fait la multiplication. Et vous allez pouvoir participer avec un don ou alors faire un don récurrent tous les mois avec la troisième case qui est en dessous. Pour vous informer que toutes les personnes qui auront fait des dons, il va y avoir une cérémonie d'offrande à la Pachamama avec tous ces noms de personnes sur un papier énergétiquement qui vont être mis au centre du temple de l'eau qui est fabriqué et conçu pour cette rencontre, qui est aussi un temple dédié à l'esprit du cacao. Pour remercier toutes ces personnes qui auront fait ces dons. Et sachez que la création sait, elle sait tout. Et dans l'énergie, tout ce qui est juste, c'est tout ce qu'on donne, on reçoit toujours d'une autre manière, ou peut-être pas celle qu'on attend, mais on reçoit toujours par rapport aux dons qui ont été faits. Donc, vous sentez que vous avez l'aspiration de nous aider pour la construction, pour faire arriver l'eau. Pour mettre tous les câbles électriques, que la lumière arrive. Pour cette rencontre, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et puis eh bien, d'être avec nous dans l'énergie en faisant un don, sans être avec nous de manière exactement aux heures des cérémonies, mais tout simplement d'être avec nous dans l'âme, puisque l'âme sait. L'âme sait et sera là toujours au bon moment, sans que le mental sache. Alors, merci infiniment de partager cette vidéo à toutes les personnes que vous sentez qui se sentent vraiment le cœur d'aider pour cette nouvelle humanité, pour la planète, puisqu'on va être vraiment un groupe pour tout cela et dans l'espace du cœur avec nous. Bienvenue à vos dons. Merci de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner à ma chaîne.